Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur! Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre! Il y a plein d'eau qui coule du plafond! Oh non! C'est vraiment pas de chance, ça! Oh. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible. Je pourrais jamais dormir. Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit, je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolée, ma petite princesse, on ne voulait pas te réveiller, mais maintenant tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. Toto. N'est-ce pas, Larry? Et puis comme ça, on se tiendra chaud. Réveille-toi! C'est le matin, il ne pleut plus! Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage! Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. Oh, d'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là! Il y a plusieurs tuiles qui sont parties! Oh, je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Ouf! Oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail! Le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool! Ouf! Votre père a réussi. Ah,
Je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la goutte. Oh, 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 non ! Non ! Papa ! La tuile ! Elle a cassé le carreau ! La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe! Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? Complètement inutile, je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui. C'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, oui, papa. Je croise les doigts. Vas-y, papa. On est avec toi. Tu es le meilleur. Oh, cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans une minute. Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure. Waouh, et en plus, tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Oui. Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Oh, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh, oh, oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux! Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là, une gouttière à réparer, une vitre à changer, et aussi le toit, soit au total, deux fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Ouh, Linda! Ouh, où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible! Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici, rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, Gina, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux. Et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Oh, oh. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche.
Vous tombez bien. Venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers. Je prendrai bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, China, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la poudre, ni les ouragans.